Elle est magnifique, il dit la gendarmette. Voilà, ça va bouger peut-être d'ici. Ça va bouger. Ça bouge. Ça va bouger. Pélé comme au téléphone. Vous avez dans la TikTok. Ah voilà. Combien de vues ? On est là. Ils ont les bâtons dans la main. Un masque ou pas ? Un masque ? Il y a quelqu'un qui veut un masque ? Oh, t'es gentil. Ça va pas gazer. Ça va juste faire disperser. Ça va avancer. Soraya, elle a pas peur, elle est devant. C'est Soraya au micro. Il n'y a rien, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'âme qui vive, il n'y a que des manifestants. Nous sommes place de Clichy, fin de partie. Ça va faire un peu comme à Nation, ça va disperser. Stop, it's close! Au coup de sifflet, dès qu'il va y avoir un coup de sifflet. Dès qu'il y a un coup de sifflet. Right, 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 right. Right, right. Right, right. Close, close. C'est fermé, chef. Droite, 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 droite. Moi, je fais une pause parce que ça sert à rien. Vous allez attendre pour rien là. On va faire une pause. Regardez, Reporter Vérité, numéro de Sirette. Il a son compte TikTok. Monsieur, monsieur, monsieur. Il dormait dans sa tente à la porte. Tu dormais là-bas à la porte de Bercy. Et maintenant, il a son logement. Donc, il y a du mieux. Redis ton prénom, c'était quoi ton prénom? Ton prénom c'est comment? Oh, Kevin. Kevin, ah ouais, Kevin. T'étais à Versailles avec nous, à Versailles. Je m'en rappelle, avec sa poussette. Un syndiqué énervé. Numéro de Sirette. Compte TikTok. Et comment il s'appelle ton compte alors? Reporter Vérité? Ouais. Sur TikTok, hein, on peut aller s'abonner. TikTok, Insta et Facebook, c'est Reporter Kevin. Reporter Kevin, ok Kevin. Et t'as touché des sous ou pas encore? Avec les cadeaux là. Avec quoi? Les cadeaux, avec les cadeaux là. Il y a des gens qui te donnent quelque chose. C'est des gendarmes, hein, c'est la gendarmerie, la gendarmerie. C'est la gendarmerie. Merci.
Le loup, il est où le loup? La brave, elle est derrière. La brave M. Elle parle. Il y avait Bernard Arnault. Il a invité ses 162 saltimbanques. Ils ont été jouer du violon. Ils ont bien bouffé. Combien la bouteille de champagne? 1770 euros. 1770 euros. Oui, c'est ça. Ouais, bah, le champagne, c'était à 500 euros. Et puis. 1700 la bouteille. Bon, c'était très cher. Hein. Les couverts, les machins, les gardes du corps. Salut, toi. Les gardes du corps et tout ça, donc c'était très cher. C'est quand même la honte. Ça aurait été normal si tout le monde vivait bien en France. C'est pas normal alors qu'il y a des gens qui font la queue au Resto du Cœur. C'est pas normal, voilà. Voilà, je rappelle juste, moi je suis marocain, je rappelle que Hassan II, il a reçu sa mère, là, comment elle s'appelle déjà? La maman de Charles. Oui, la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, il l'a reçu, mais il l'a mis devant un méchoui, hein, qui coûte 50 euros, pas plus. Hein. Je rappelle, le Maroc a reçu. Un méchoui, un méchoui. Il l'a mis devant un méchoui, devant de la Ici même, on a payé très cher, hein. Donc, Généraux est mort, c'est pour ça que nous sommes. Ouais, parce que le CIMEB, ils sont poussés à venir leur propre généraux. Le généraux est sacrifié parce que, il y a une semaine, il a pris l'avion. On en a accepté les noms de Madrid. Il a pris l'avion. Ça fait plaisir. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bravo. Oui, ça c'est un bon gendarme. Ouais, mais tu n'as pas envie. Par Vous avez rien à ça, dans mes enfants, ils sont gros, ils sont bâtards. Ils n'ont pas de risque. Mais je veux, parce que vous en inquiétez. Parce que moi, je m'inquiète pour vos enfants. Après la petite touche pipi, à partir de 4 ans, on va leur apprendre la sexualité, une position inimaginable. Qu'est-ce qu'il y a des enfants ici? Qu'est-ce qu'il y a des enfants en bas âge? Qu'est-ce qu'il y a des enfants mineurs? Qu'est-ce qui s'intéresse? Ou est-ce que c'est seulement votre salaire à la fin du mois qui vous intéresse? Et votre propriété? J'ai une bière à la main. Est-ce que c'est juste le matériel qui vous intéresse? Ils sont trop cons pour aller à l'université, trop feignants pour y travailler. Arrivez-vous à vous raser le matin, à vous laver, à vous regarder au miroir. Bravo pour la formule. La majorité des pères en plus, des pères qui devraient normalement défendre leurs enfants. J'ai honte pour vous. Pardon, excuse-moi. J'ai honte pour vous. Et même si vos enfants sont dans des écoles privées, parce que j'ai eu une réponse la semaine dernière. Il y a des autres enfants, c'est des humains, vous faites un minimum de travail. Vous n'auriez pas à dire ça. Vous devriez dénoncer. Merci, Jean-Baptiste. Des enlèvements d'enfants à l'ASE illégalement. Ça va pas, vous n'en voulez pas. Ah, ils sont partis, la brave. Peut-être qu'il y a quelque chose plus loin derrière. Vous êtes des complices de la Macronie. Puisque vous les défendez. Laissez passe. La brave repart en courant. Il y a le commandant. Monsieur Tony le Corse, il est là. Tony,
ils vont encercler là. Voilà. Ça va? Ça va, comment tu vas? Je filme de partout là. Ah non, mais c'est pas grave, je te dis bonjour, hein, ça fait plaisir. Là, il y en a qui veulent nasser là, tu vois, ils vont nasser. Ils vont nasser là. Ouais. Un peu comme à la Nation, tu sais, le soir. Place d'Italie, ils nassent. Voilà. C'était en direct de la place Clichy, le 23-09-2023.